Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Aujourd'hui les amis, on va continuer nos chroniques et aller visiter des nouveaux KVK, mais on va aussi parler migration. On ne va pas parler event parce que si vous regardez, c'est carrément mort. Alors je ne sais pas comment c'est sur votre serveur ou sur vos serveurs. Je pense qu'entre les séries 1000 et 1400, c'est comme sur le mien, le 1256. Mais c'est vraiment mort, regardez, il n'y a rien à part faire l'OAR. Encore une fois, si vous avez besoin de points d'action, pour une action, point d'honneur plutôt, pour votre KVK ou de pointe de flèche pour augmenter vos tours de guet, il n'y a rien à faire. Alors demain, on va avoir la balade de Yann. La balade de Yann, maintenant, depuis qu'elle a été patchée, on la bâche vraiment très très rapidement. Mais sinon, c'est vraiment calme plat. Là, j'espère avoir eu raison et qu'on va manger une annonce de patch. De quoi nous faire tenir en attendant jusqu'à la semaine prochaine. Et je dirais bien une petite semaine avant le patch ou 10 jours. Mais ça serait bien, ça nous ferait patienter parce que là, il n'y a vraiment rien. C'est pas Arabi ou Oasis de l'espoir qui va nous combler. Donc, on chill pas mal, on traîne pas mal sur Discord, voir ce qui se fait. Et donc, je vous disais, on va parler migration puisqu'il y a des très gros mouvements qui se préparent et des très gros serveurs qui se sont préparés à accueillir ces mouvements. Alors, je reviens sur la méga migration des baleines FR, hein, des requins FR qui se préparent. La rumeur les dit en migration sur le 1786, pardon, j'allais vous dire 1756, mais non, c'est parce que je suis du 1256. Le 1786, c'est une des rumeurs qui traîne là-bas qu'il devrait atterrir. 1786, si on le regarde, c'est un royaume qui, je ne sais pas combien de jours il a, j'ai pas été le voir. 1186, royaume d'Akitio, un royaume qui a 182 jours par exemple. Bon, moi je vous l'ai dit, hein, les jumps comme ça, j'y crois peu. Il y a toujours des, souvent, pas toujours, il y a souvent des problèmes d'ego, souvent des problèmes de structure sur le royaume, surtout leur plus gros problème de jump qui se prépare. C'est ce que sont en train de faire certains très très gros serveurs. Regardez, j'ai vu ça hier, on me l'a montré, hein. D'ailleurs je l'ai vu, Stéphane me l'a montré, merci à lui. Stéphane, le roi du même du 1331 qui avait bien floudé le 1341. Regardez, le 1331 n'est plus Imperium, il n'a plus son royaume Imperium. Donc forcément, quand vous êtes un très gros joueur et qu'on vous propose un jump sur un serveur où tout est à construire, ou aller sur un serveur solide comme le 1331 qui a fait ses deux derniers KVK de ouf, hein, y a rien à dire franchement. Autant je kiffe grave mon serveur le 256, hein, et on n'est plus Imperium, donc nous aussi on accueille les migrants volontiers s'ils répondent à nos critères. Hein, je vous le rappelle, n'hésitez pas à contacter les R4 des WoS, notamment Jalasupi. Mais le 1331 aussi, c'est un royaume très attirant. Et regardez, donc il n'est plus Imperium, ils ont blindé leurs hôpitaux et tué pas mal de troupes pour justement pouvoir accueillir ces migrants. Et dans la série des serveurs impressionnants qui sont en train de s'organiser, je vous en avais déjà parlé, ça se rapproche petit à petit. Le 1093 est toujours Imperium, d'ailleurs j'ai un compte là-bas. Le 1093 qui est toujours Imperium, le royaume de Yo-Yo, se prépare aussi. 702 jours, hein, c'est un des royaumes les plus anciens du jeu, se prépare à sortir de son statut Imperium pour recevoir des migrants. Donc vraiment, quand vous êtes un gros joueur, moi-même, si je devais migrer, ce qui n'est pas le cas, encore une fois, je kiffe le 256, mais quand vous voyez des serveurs comme le 1331, le 1093, personnellement, je préférerais le 1331. Et on vous propose un jump où tout est à refaire. Si vous avez déjà les anciens commandants, que vous êtes un pay-to-win solide, forcément, moi, j'irai sur le 1331 ou le 1093, mais encore une fois, j'irai plus sur le 1331 plutôt que tout recommencer à zéro. Après, c'est mon point de vue. Je pense que beaucoup ont le même point de vue, mais on va bien voir. Hein. C'est pas pour ça que leur jump va échouer. En tout cas, je leur souhaite de réussir. Je vous tiendrai informé, hein, de la suite et de où finalement ils ont atterri et combien ils sont de joueurs. En tout cas, il y a l'air d'avoir beaucoup, beaucoup de monde dans ce jump en préparation. On va donc aller voir les KVK et je me posais une question. On va aller voir les KVK parce que, un, c'est très intéressant de voir pour les futurs royaumes, et deux, on n'a pas fait les jeunes royaumes qui sont aussi récents. Vous allez le voir, je me posais une question. Comment Lilith a-t-il appris à compter? Je ne comprends pas la linéarité et le nombre qui est mis au KVK. Regardez. Hier, on a vu le KVK 89 et 90, donc il n'y a pas de souci, ils sont à 16 jours. Aujourd'hui, on va aller voir le KVK 91, mais avant, regardez, le 92, il est fermé.
jusqu'au 97, 98, et on va reprendre au 105. Donc vous voyez, entre le 101 et le 104 et le 105 même, ils n'y existent pas, ils ne sont pas là, et ils n'ont jamais, je ne les ai jamais vus. Hein. Si vous avez déjà vu un KVK du 101, 102, 103, 104, dites-le moi en commentaire, je ne les ai jamais vus ces numéros-là, comme si c'était des numéros interdits depuis qu'ils ont fait le patch parce, et que ça a recommencé la numérotation à 1, puisqu'avant ça commençait à 101. Et ils les ont fait sauter les 4 premiers, je ne sais pas pourquoi, ils sont peut-être maudits. Et vous le voyez, on repasse au 105, au 58 jours des KVK saison 1 avec des serveurs d'édition. Donc je ne comprends pas pourquoi il y a ce trou dans la numérotation. Je ne sais vraiment pas d'où ils sortent leur nom. Alors on va sur le dernier KVK de la série, les 16 jours. Hein. 16 jours, 5 heures, 45 minutes et 24 secondes. On va aller voir, c'est encore une fois des KVK récents, saison 2 de KVK, ancien système de KVK, le KVK dont on rêve tous. Le 16-94, 95, 1704, 5, là ça se suit, hein. Eux ils se sont déjà rencontrés, regardez. Le 94 et le 95 étaient ensemble en saison 1, le 1704 et 1705 ils étaient aussi ensemble en saison 1 et le 27 et le 28 aussi. Donc là on a quand même 3 fois 2 royaumes qui étaient ensemble, les moins chanceux sont le 14 et le 25, du coup même pas, le 25, 27, 28 étaient ensemble. Donc là il y a peut-être des alliances qui se sont formées ou des déclarations de guerre qui se sont faites dès le départ puisque ces royaumes s'étaient déjà combattus. On va aller voir ça tout de suite et comment la carte est répartie. Ça va nous en dire beaucoup immédiatement. Encore une fois, si vous cherchez des jeunes royaumes, ça aide vraiment de regarder ce qui se passe en KVK si vous souhaitez migrer là-dessus. Et je sais que vous êtes beaucoup, encore une fois, à me contacter pour avoir des numéros de serveurs morts. Alors, je ne connais pas de numéro de serveur mort. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. La dernière fois que je vous ai dit ce message-là, certains ont mis des royaumes morts en commentaire. Donc, ça permet à d'autres abonnés de jump dessus pour pouvoir grandir, grossir et avoir plus de chances de gagner les events comme le plus grand gouverneur, le MGE. Donc on regarde, on commence en haut à droite, le serveur 725 qui est le serveur bleu, occupe tout le terrain et a bloqué le violet. Classiquement, il a bloqué le 04. Hein. Il est en alliance avec le 94. Donc on le voit, le 25 et le 94 sont en alliance alors qu'ils n'étaient pas ensemble au précédent KVK, hein, donc au saison 1. Ce qui veut dire qu'il y a peut-être des inimitiés et des guerres qui se sont déclaré dans ce KVK là. On le voit au sud, le violet. Alors le violet, il a vraiment pas eu beaucoup de bâtiments. On lui a dit, écoute, tu vas prendre celui-là, ce hieron-là, le reste, ce n'est pas pour toi. Et ils se partagent le terrain à 3. C'est peut-être pour ça, car ils doivent être 3 sur cette zone-là. Pas de chance pour cette alliance. C'est le 28, le 04, donc ils n'étaient pas ensemble. Et le dernier, c'est le 14. Donc encore une fois, un groupe de 3 royaumes qui n'étaient pas ensemble au premier KVK. Donc on peut en conclure que ceux qui étaient ensemble au KVK saison 1 ne sont pas devenus amis, sont même devenus ennemis. De l'autre côté, ils sont bloqués et le rose a-t-il tout le terrain? Le rose bloque tout le monde, donc le rose, gros challenger, hein, il bloque 2 royaumes. Donc si vous cherchez un royaume dans les 1700 à, pour le rejoindre, un royaume en création, le 1727, un royaume en création, non, mais un royaume qui reste jeune. Le 1727 semble un candidat solide puisqu'il tient 2 royaumes à lui tout seul. Il tient le jaune sur le côté là et le... Alors c'est quelle couleur? Ils n'ont même pas eu leur forteresse. Donc ok, il n'a pas de mérite, c'est très très rare. Regardez, on est sur un KVK à 16 jours et on a un royaume qui n'a pas réussi à prendre sa forteresse. C'est extrêmement rare, ça faisait très longtemps, c'est le 1705. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu un royaume qui n'arrivait pas à prendre sa forteresse croisée depuis le patch. Du coup, forcément, ce royaume-là, personne ne va avoir envie de se mettre avec lui. Et de l'autre côté, le vert et le rouge sont en alliance. Hein, et eux, ils ont réussi à prendre leur forteresse croisée. Du coup, il n'a même pas de couleur, l'autre, le pauvre. Ce qui fait qu'au nord, on a un beau bloc de 3. Ils sont détentes. Hein, ils ont un très gros terrain. Ils vont avoir Dimbokro où ils vont être tranquilles pour aller farmer et faire les rewards. Et ils vont juste avoir à se concentrer sur cette zone-là en Okuri. Sachant que, excepté... Ouais, ils vont avoir 3 personnes. Donc, la guerre sur ce serveur-là, l'endroit à suivre va vraiment être cette zone Okuri. La question, est-ce que le rose, alors le jaune est avec eux et le violet est pas avec eux. Ils vont vraiment galérer parce que je pense que le rose est avec les 3 du nord, c'est même quasi sûr. Ce qui fait qu'à mon avis, ils vont se faire défoncer en macha
et attrape en Okuri, parce qu'on pourrait se dire ils vont être 3, ils vont être plus forts en Okuri, mais non, parce qu'ils vont devoir se répartir en Masha et en Okuri. Donc pour le coup, c'est ces deux zones là qu'il va falloir suivre. Ça va vraiment être intéressant à voir. Donc excepté une méga suprématie du serveur rose, que je ne crois pas, ça va être tendu pour l'Alliance du Rose de gagner. Je pense qu'on est plus sur un 3 versus 4, puisque le royaume qui est enfermé là, il vaut pas grand chose malheureusement en termes de puissance. On va maintenant faire un jump et aller voir des royaumes encore plus récents. Je vous rappelle, notre fil rouge reste le royaume 86. D'après vos infos, il devrait ouvrir ses portes en fin de semaine, les portes de niveau 5. Donc on va aller voir cette méga guerre qui se préparera. Et regardez, comme je vous le disais, il y a une discontinuité dans la numérotation. Donc on passe sur des serveurs 106 qui sont en fin de KVK. C'est donc là 58 jours, hein, c'est fini, il n'y a plus rien à voir. Regardez si on prend celui-là et qu'on va voir. Donc là, c'est des serveurs qui sont, si je ne dis pas de bêtises, sur leur premier KVK. Vous le voyez, hein, là tout est plié, les terres du roi sont conquises. Hein. Il n'y a pas de surprise, c'est partagé. D'ailleurs, c'est partagé contre 3 alliances et le jaune a pris toute la carte sur celui-là. Par exemple, donc on y retourne et on va aller voir un KVK qui est toujours en cours et qui n'est pas terminé. On va se diriger tranquillement. Donc, vous voyez, plus on descend, plus ça descend en termes de jours. Et on arrive au KVK 114, un premier KVK. On est sur les serveurs 1900. Donc, les serveurs 1900, c'est vraiment des serveurs très récents. Si vous allez voir, on doit être un petit peu au-dessus du 2000. Voilà, 2057, 2064, des royaumes qui viennent d'ouvrir qu'ont 7 jours. Donc, quand on est sur des serveurs 1900, si vous cherchez vraiment des serveurs jeunes, là, c'est eux qu'il faut regarder. 16 jours, dans 30 jours, non, un petit peu plus, même parce qu'on est sur un premier KVK, dans 40 jours, donc dans un très gros mois, vous allez pouvoir migrer dessus. Ça vous laisse le temps de vous préparer en termes de passeport, en termes de ressources. Ça vous laisse vraiment le temps de voir 1905 à 1912. Donc là, on est sur du lourd. On n'est pas sur le plus gros KVK du secteur, puisque là, la numérotation a été faite. Regardez, ils ont pris le 114, ils ont commencé au 1905. Et ensuite, ils déroulent hein, le 115, 1913, le 116, 1921, etc., etc. Donc on est vraiment sur une numérotation qui est linéaire et qui n'est pas faite à la puissance. Ce qui sera le cas dès le KVK numéro 2 où ils auront un matchmaking et le premier en numérotation sera les serveurs qui auront le plus de puissance, le plus haut matchmaking. Donc 1905 à 1912, on va voir ce que ça donne. Pour le moment, sur ce KVK-là, ils n'ont pas non plus les portes de niveau 5 ouvertes. Ça ne devrait pas tarder, hein, encore une fois, hein, ça devrait se dérouler dans la semaine. Hein, il n'y a toujours pas de minuteur, je dis pas de bêtises sur le coup. Et regardez, on commence en haut à droite et est-ce qu'on va avoir... On va voir, on va pouvoir comparer, hein, puisque avec des serveurs qui ont plus de 100 jours d'écart en ancienneté, est-ce qu'on va avoir un royaume qui n'aura pas pris sa forteresse croisée? Ça serait possible, plus possible que, et moins étonnant que sur le KVK 91, qui m'a vraiment surpris à avoir ce serveur qui n'a pas de forteresse croisée. Franchement, si vous cherchez un serveur mort, celui-là doit pouvoir faire partie des candidats pour le moment, puisqu'il peut, il peut bénéficier d'un gros job. Mais là, en tout cas, durant son KVK, vous ne pourrez pas le rejoindre, bien évidemment. Donc, Weiji, on part sur le cyan. Une répartition encore étrange. Ils ont bloqué le rouge. Je pense que le cyan n'était pas assez puissant pour bloquer seul le rouge. Donc, le rose a dû traverser la carte pour venir le soutenir et bloquer. Alors là, il va falloir que le cyan se réveille parce qu'ils vont devoir poser une forteresse, les gars. Ils n'ont pas accès pour le coup. Le cyan, est-ce que ça se bat ou pas? Parce que ça pourrait. Hein. Le cyan n'a pas accès. Non, ils sont bien alliés. Le cyan n'a pas accès à la zone 4, 5, 6, à la zone 6, à Okuri et à Dimbroco. Donc là, les mecs, il va falloir poser une forteresse et la construire rapidement parce que ça ouvre cette semaine les portes. Donc si vous êtes des joueurs sur le serveur 1907, n'oubliez pas de construire votre forteresse. Le rose, très puissant. Au sud, il s'est fait bloquer. Très puissant au nord. Hein. Au sud, il s'est fait bloquer par le violet. Et le violet bloque tout le monde. Il bloque le bleu, il bloque le rose. Et il a dit, le terrain, il est à moi. Donc, ça va être très, très chaud en Okuri pour le rose et le cyan. Et aussi le bleu. Leur seule stratégie est vraiment d'attaquer. Et au sud, avec le bleu qui essaye de casser cette forteresse des 87 SN pour sortir là. Et d'attaquer au nord avec leurs deux autres. De l'autre côté, il va falloir contenir aussi le rouge. Donc, ça va être tendu. Très intéressant, ce premier KVK en termes de guerre. Il va vraiment avoir du lourd qui va se passer en zone Okuri. Donc, on a l'air d'être sur du 4 versus 4. On va voir. De l'autre côté, le violet est en alliance avec le jaune classique. Et il bloque l'orange. Et l'orange est sorti au nord. Ah non, l'orange est un allié faible. Il n'est pas sorti au nord. Et le vert se partage la zone avec le rouge. Donc, on a une alliance vert-rouge d'un côté qui doit être avec...
le jaune et le violet. Donc on a vert, rouge, violet. Ils ont l'air vraiment très puissants. Ils sont favoris à mon avis. Parce qu'en plus, il va avoir Kalsha où ils vont vraiment être détente. Masha, est-ce qu'en Masha ça va se passer? En Masha aussi, ils vont être détente. Donc ils vont avoir deux zones où ils vont être tranquilles pour farmer. Et de l'autre côté, les autres en Dimbroco vont avoir la guerre, hein, puisqu'ils vont se manger le vert et le rouge. Et en zone Okuri, ils vont manger le violet qui a l'air de pas rigoler. Donc clairement, les bagarres, le KVK va se décider sur ces deux zones-là. Il serait surprenant que ce ne soit pas l'Alliance du Rouge. Après, il peut y avoir des trahisons. J'en ai vu encore cette semaine des trahisons de dingue. Des royaumes qui viennent de se retrouver à 1 versus 5 parce que les deux autres sont morts. Donc ils se retrouvent en 1 versus 5 à cause de trahison. C'est assez drôle à chaque fois à voir comment on retourne sa veste. Et je vous le rappelle, quand vous trahissez en KVK, ça laisse des traces. Tout le monde s'en souvient. En tout cas, moi, je m'en souviens. Et j'hésite pas à le dire lorsqu'on me pose des questions pour faire des alliances. Donc si moi, je m'en rappelle, beaucoup d'entre vous s'en rappellent également. Donc le violet, à mon avis, est le favori sur ce KVK en termes de puissance. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si je me trompe. Hein. Et tout va jouer comme d'habitude au Curry d'Imbroco. Et on va voir si j'ai eu raison. On regardera, on retournera aller voir ces KVK et on refera un petit comparatif par rapport à ce que je vous avais prédit. Mais en général, il y a peu de surprises. On retourne sur le 1256 pour finir. Donc je vous le rappelle, hein, sur mon serveur, il ne reste plus que quelques jours comme les autres, hein, avant la fin de avant que la migration réouvre. Si on va dans le canyon perdu, on peut voir le timer. Hein, il reste 15 heures, 4 minutes et 6 secondes. Donc c'est le dernier jour où on ne peut pas migrer. Dès demain, jeudi, tous les royaumes qui étaient en immigration limitée jusqu'à présent redeviennent ouverts. Donc vous allez pouvoir jumper sur tous ces royaumes, hein, que ce soit le mien ou le 1331, comme je disais, le 1093 qui va sortir de la perme, etc. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez nous rejoindre, évidemment, on recherche des joueurs qui sont là pour se battre, hein, qui sont là pour faire du mort. N'hésitez pas. Alors je voulais vous montrer Jalasupi pour voir comment ça s'écrit. Et hier, il n'était plus dans l'alliance, il était parti. Je ne sais pas où Jala. Jala, il est là. Bah, il a même le lead de l'alliance. Donc vous voyez, n'hésitez pas à le contacter. C'est lui qui s'occupe du recrutement, pas que lui, hein, il vous renverra peut-être vers quelqu'un, mais pour vous aiguiller, pour voir si déjà en termes de stats et de combat, vous répondez aux critères de recrutement de notre serveur, puisque comme vous l'avez vu, si vous allez voir la playlist du KVK saison 5, on ne fait pas d'accord et on se bat jusqu'à la mort. Pour ce KVK, c'était le cas en tout cas, on en a bien bavé, on a eu beaucoup de pertes, c'est ce qui nous a permis de sortir du statut Imperium. Notamment, mais si c'est ce que vous cherchez, si vous n'avez pas peur des morts, n'hésitez pas à venir sur 1256. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, les amis, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On lâche bien évidemment un colossal pouce bleu, vous le savez. Ça me fait très 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 plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Et je vous en remercie vraiment énormément les amis. Et surtout, 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 si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur Rock.